Flash Info. Nous venons d'apprendre que Donald Trump a nommé Kiki, son Rottweiler de 5 ans, responsable en chef des armées du pays. En effet, il pense que celui-ci sera plus à même de contrer la menace nucléaire nord-coréenne ou iranienne pour nous éclairer sur ce le monde va sombrer si on le laisse faire. Qui ça? Donald Trump. Ah oui, ce reptilien qui a en réalité envoyé sur Terre par les rats cosmico-radioactifs de Pluton. Oui, si tu veux. Oh purée, si j'avais pu empêcher son élection, je l'aurais fait. T'as qu'à fabriquer une machine à voyager dans le temps. Mais oui, c'est ça! Tu remontes en 2016. J'empêche Trump de se faire élire. Et les reptiliens n'accèdent pas au pouvoir. Moi, Jules Bouchon, je protégerai l'humanité. Et je pars construire cette machine à voyager dans le temps. Les catapultes et les parapentes. Mondialisation théorisée par le grand historien Eric Curtin. Du scotch. Mondialisation des catapultes. Regarde-moi cette merveille! Waouh! Tu utilises quel carburant? Du kérosène? Du plutonium? La foudre? Mieux que ça, de la bière! Et la luge, c'est pour moi? Non, ça, c'est pour l'aspirateur. Mais tu restes mon acolyte. Et d'ailleurs, nous garderons le contact grâce à cette oreillette. Ah! Moi qui croyais que le voyage dans le temps était inventé par la CIA. D'ailleurs, c'est parti! Mais... Physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. After meeting with their wonderful, wonderful president... Ok, c'est fait. Le bougre en a perdu son toupet. Tu peux me rendre un petit service? Tu veux bien vérifier que c'est bien les aliens qui ont tué Kennedy? Et alors j'ai merdé. J'ai tué Kennedy avec l'aspirateur. Avec l'aspira... Hein? Bon, tu vas essayer d'arrêter de tuer des gens, hein? Et t'as qu'à profiter de la machine pour faire des trucs... cool. T'as raison. Allons nous éclater. Youhou! C'est pas mal du tout, ça. Sacré Adolphe. Mais attends, il ne te reste qu'une seule bière de carburant. Assez pour visiter une dernière époque et revenir. Choisis bien. Ah, le choix est si difficile. Tu n'as qu'à faire ce que tu désires du plus profond de ton cœur. Bonjour madame, Cléopâtre, j'ai toujours voulu vous dire que je vous ai trouvé plutôt attirante et puis... Oh, embrasse-moi grand fou! Oh, mais comme vous êtes bien fait! Quelle belle mécanique! Non mais oh! Mais c'est ma femme! Oh là là! Oh, ma vie est finie! Je ne veux plus vivre! Oh, Jules Bouchon! Décline-moi dans tous les sens! Toi aussi, mon fils! Mais... Oh, Brutus! Oh, joins-toi à nous! Non, ça pour le coup, c'est vraiment pas mon truc. Je crois que je vais y aller plutôt, hein.
Alors ça y est, j'ai réussi à changer le cours de l'histoire. Donald Trump a perdu les élections. Pas exactement. Tu as bien aspiré la perruque de Trump lors de son discours, ce qui était censé lui faire perdre l'élection. Mais tu as accidentellement tué Kennedy avec un aspirateur. Les habitants des États-Unis, traumatisés par cet événement tragique, ont éradiqué les aspirateurs sur leur territoire, puis dans le monde entier. Ce qui fait que tu n'as pas pu t'emparer de la perruque de Trump, les aspirateurs n'existant plus. Il a donc été élu président des États-Unis. Alors j'ai vraiment rien changé. Rien. J'ai fait tout ça en vain. En vain. Apparemment, même en voyageant dans le temps, on ne peut rien contre le cours de l'histoire. On se fait un FIFA ? Pourquoi pas ?